est un mannequin vivant qui détient le record mondial de Guinness pour avoir... réussi à demeurer immobile durant 8 heures d'affilée. Bill aime se faire appeler un créateur de mode mécanique. Sa carrière débuta à l'âge de 14 ans lorsqu'on l'engagea justement pour rester immobile. Ça, c'est sa mère qui l'avait mis dans le coin, ma soeur. Elle donnait 25 ans dans la minute. La suite fait partie de la petite histoire du métier de mannequin. Ce genre de spectacle, Gaston, demande une grande concentration. Vous devez contrôler votre corps avec votre esprit, parce que l'inverse ne se fait pas, et vous convaincre que telle partie de votre anatomie, et vous devinez lesquelles, ne vous pique pas, ou que telle chose n'est pas drôle du tout. Pour ce qui est de son entraînement, Bill avoue modestement que c'est très facile. Ah ouais. Car il doit se passer... Mais il doit se passer d'eau et de nourriture durant de longues périodes, ce qui demande une grande discipline. La concentration est ce qu'il y a de plus important dans son métier. Et plusieurs croient qu'il est hypnotisé ou en transe, mais c'est faux. Ben, ça a l'air de rien, mais ce qui est le plus difficile, c'est justement de ne rien faire durant des heures. Et Bill cligne des yeux à toutes les 41 minutes en moyenne. Sa seule autre occupation consiste à respirer. Personne ne peut faire rire Bill ou changer son expression. Il y en a qui s'essaient. Mais est-ce vraiment impossible? Alors, c'est ce que nous voyons. On essaie de le faire rire. Il demeure impassible. On va même pousser ça plus loin. Le vieux gag de la tarte au visage. Immobile toujours, ce vieux Bill. Et au moment même où la foule de curieux se demande s'il est vivant ou non, Bill débute son numéro de mannequin mécanique. Ça impressionne les enfants, en tout cas. Ça impressionne même la dame qui est là aussi. Parce que elle doute encore, je pense, Marcel, qu'il soit vivant. À moins qu'il lui fasse une déclaration d'amour. Je pense que c'est ça. Il va lui offrir son cœur. Un cœur de mannequin. Oui, un cœur. Si le cœur travaille aussi fort que lui qui fait rien. Un cœur de fer. Il lui demande un petit baiser. Oh! Eh ben...